Salut à tous, une petite vidéo concernant l'excellent Dungeon Master pour Amstrad CPC sorti début mai 2018, j'ai nommé The Shadows of Thargoth. J'étais sur la page de CPC Power, voilà, et dans les commentaires, je suis tombé sur cette petite chose. Pour les curieux, il paraît qu'il y a une surprise sur la face A du disque. What? Tiens donc. J'ai donc lancé un outil pour fouiller dans le fichier hexadécimal qui est l'image disque. Et voici ce que j'ai trouvé. Bon, je vous spoil un peu le plaisir. Mais là, j'avoue que les développeurs se sont fait un peu plaisir. Parce que si on fait un petit run curieux.va, il fallait trouver celui-là. C'est quoi cette surprise? Un jeu de taquin. Donc là, il faut reconstituer l'image. Et comme j'étais toujours d'une unité monstrueuse au jeu de taquin, je ne pense pas y arriver. Oui, c'est pas évident parce que j'ai toujours été une unité monstrueuse au jeu d'attaque. Reconstituer l'image, et si vous y arrivez, bon courage. Voilà, je voulais quand même vous montrer ça. Si j'en veux pas au bout de 2 minutes avancer un peu, je vais arrêter, mais juste pour vous montrer le jeu d'attaque. Donc là, j'ai utilisé l'ordinateur Caprice 32 sous Linux. C'est ennuyeux. Peut-être celui-là. Ouais, bah vous voyez, c'est quand même pas super évident. Donc, je ne sais pas si on se doit dire. Bref, vous voyez, c'est le principe du jeu de taquin. Donc là, et par contre, je vais vous montrer où j'en suis, parce que j'ai décidé quand même de voir jusqu'où je pouvais aller dans au moment là. Donc on est le 8, et pour moi, je suis un peu coincé au 5e niveau, et ça me gonfle. Donc là, je fais un petit reset. J'insère l'image disque, et la capture mémoire. Load save en snapshot, voilà. Donc apparemment il paraîtrait qu'il y a 16 niveaux. Je suis déjà arrivé à peu près au tiers du jeu, c'est pas si mal que ça. Et je peux vous dire qu'il est très 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 bon. Lox jeu 03. Voilà. Resume. Donc là. Et le plus marrant, là, je suis coincé. Donc, si vous avez des indices, pitié, aidez-moi, parce que ça m'énerve. Parce que la seule information que j'ai, c'est... Attention, illusion. C'est tout ce que j'ai. Et quand même, mon personnage s'est pas trop mal débrouillé, comme vous pouvez le constater. Donc, si vous avez des informations pour passer ce putain de niveau, car j'ai tout essayé, revenir au niveau précédent et compagnie. Bon, je vous montre quand même le niveau précédent. Bien sûr, là, bon. Là, je vais me faire tuer. Voilà, je me suis fait tuer. Heureusement que j'ai un snapshot pour récupérer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez chiant.
parce que je suis un peu coincé dans ce niveau, mais par contre, t'inquiète pas mal. Voilà, je vous laisse, j'arrête la vidéo et je retourne mon Shadow of Sargoth. Salut!